Bienvenue sur De pauvres et les guillemets. Pour cette première vidéo de 2019, eh bien je, voulais, je voulais frapper fort et j'ai donc choisi pour vous un livre où l'on parle d'espoir et d'amour. Je veux parler du prince à la petite tasse d'Émilie de Turkheim. Début 2017, il y a de plus en plus de migrants dans Paris, notamment Porte de la Chapelle. Et lorsqu'elle les voit, Emilie de Turkheim propose à sa famille, son mari et ses deux enfants, 7 ans et 9 ans, d'accueillir pendant un an. Un jeune migrant. Et c'est ce qu'ils vont faire, puisqu'ils vont accueillir pendant neuf mois Reza, jeune réfugié afghan. Émilie de Turquie nous dit que c'était pour elle une vraie nécessité, qu'elle avait besoin d'écrire une trace quotidienne de ce qui se passait au sein de sa famille avec Reza. En écrivant ce livre, Émilie de Turquie rend hommage à l'aventure de Reza, à son périple, à son exode, à son exil. Elle apprend aussi comment communiquer, comment parler, se faire comprendre comprendre aussi une personne qui ne parle pas sa langue. Euh, il va y avoir des moments euh, assez drôles quand elle va essayer de lui apprendre le français. Et On sait très bien que le français est une langue difficile à apprendre, subtile. Et Reza, qui avait appris le norvégien très facilement lorsqu'il vivait en Norvège, a pour lui beaucoup, beaucoup de mal à apprendre le français. Émilie va essayer de comprendre. Euh, Reza et elle va essayer de, de connaître sa vie. elle va savoir qu'à 12 ans il a fui l'Afghanistan, euh, elle le connaît à 21 ans. donc 9 ans, pendant 9 ans, il va errer de pays en pays se cachant et essayant euh, de s'en sortir et essayer de, de survivre. Et puis euh, il va lui raconter la, la mort de son père, et il va lui dire qu'il n'a plus euh, de nouvelles de sa mère et de sa sœur. Alors c'est un témoignage plein d'humanité que nous livre Émilie de Turckheim. Elle va, alors il y, a, il y a de la légèreté évidemment parce qu'il y a les enfants qui posent des questions très directes euh, que nous adultes on n'oserait pas poser. Et puis il y a de l'humour parce que euh, il y a beaucoup de quiproquos. Euh, dans, dans, dans la communication entre les membres de la famille. Et puis il y a aussi beaucoup d'amour, notamment de, de, de la part des parents d'Emily de Turquem qui vont inviter Reza dans le sud de la France, dans leur maison de famille. Alors après la lecture de ce livre, on comprend peut-être un petit peu mieux euh, la vie d'un migrant, ses peurs, ses craintes, ses désillusions, ses espoirs. Euh, une peur euh, phobique de l'uniforme et de la police. C'est une histoire, vous l'avez compris, que j'ai beaucoup beaucoup aimée. C'est un conte des temps modernes, c'est un conte qui est raconté sans pathos, avec pudeur, avec beaucoup de poésie. Ce livre nous fait prendre conscience qu'on peut agir à une toute petite échelle, à notre niveau, sans le sens de morale. Chapeau bas à Émilie de Turquheim. Qui a fait ce que beaucoup d'entre nous rêvent de faire, sans en avoir le courage ni l'audace. Je vous conseille Le Prince à la petite tasse, Émilie de Turckheim. Merci. À la semaine prochaine pour d'autres aventures sur Deux points des guillemets.